encore bien bu hier, toi, hein. Ta gueule! T'as vraiment décidé de me casser les couilles en fait aujourd'hui! Il t'arrive quoi toi? Pourquoi tu me parles comme ça? Je te parle comme je veux, de toute façon dans 2 mois t'es parti. Parce qu'on en est encore là? Bah oui! C'est ça, tu refais semblant toi. Faire semblant de quoi? Eh ben, me soutenir. Mais te soutenir, mais de quoi te soutenir? Ton projet de vie? Ton avenir de merde là? Monsieur, je veux faire l'artiste. Toi, tu m'as soutenu, moi une fois. Mon avenir de merde, mon avenir débile? C'est ça que tu dis? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi toi? Ça fait 2 ans que je suis ici à Strasbourg pour ta putain de gueule. Que je traîne avec tes putains de potes de merde, dont je m'en bats littéralement les couilles, que je m'adapte à toi, que je m'adapte à tous tes faits et gestes, à tes études, à tout ce que tu veux. Et toi, le seul moment où tu peux être là pour moi, le seul moment où tu peux me rendre à Paris, t'es même pas un peu reconnaissant? Ça putain d'égoïste de merde. Mais il a osé me traiter d'égoïste là? Bon, en fait, à ce niveau-là, ça peut que mal se finir, honnêtement. Le mec, il a aucune idée de ce que je peux vivre et vient me parler d'égoïsme. Fallait vraiment que t'arrives aussi tôt? J'ai déjà pensé, mais... Mais maintenant? En même temps, on est ensemble. C'est qu'on se fait confiance et qu'on sait communiquer. C'est moi qui donne tout pour son avenir. J'ai pas envie qu'il passe à côté de son futur. Ça ferait peut-être de moi une égoïste.